Bonjour, mon nom est Marie-Christine Thibault et je suis la nouvelle agente de mobilisation citoyenne au Témiscouata. Je viens aujourd'hui vous parler du projet Le Maillon. Le Maillon a vu le jour suite à des citoyens qui voulaient aider leurs concitoyens et qui se demandaient comment faire pour donner la bonne information. Donc, le comité de la table Cosmos 1630 s'est penché sur cette question et s'est inspiré, dans le fond, du projet qui avait vu le jour à Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick. Le Maillon repose sur trois valeurs, la confidentialité, la solidarité et l'absence de jugement. Plusieurs citoyens sur le territoire du Témiscouata ont déjà été formés comme citoyens Maillon. Donc, lorsqu'ils portent la petite épinglette Maillon Témiscouata, c'est que les gens sont disposés à vous écouter et donc à vous orienter vers les bons services. Le citoyen Maillon, son outil principal de travail, c'est le bottin des ressources. Donc, dans ce bottin-là, nous retrouvons les ressources disponibles sur le territoire du Témiscouata, mais aussi au niveau provincial et national. On a aussi les services qui sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le comité aviseur a la responsabilité de vérifier les antécédents judiciaires des citoyens Maillon afin d'assurer la sécurité de la communauté. Les citoyens Maillon sont souvent des gens déjà engagés dans leur communauté. Donc, c'est des gens respectueux qui ont à cœur le bien-être de leur communauté. En terminant, le projet du Maillon, c'est un projet pour vous. Donc, faites comme nous, enracinez-vous au Maillon. Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer à l'adresse indiquée au bas de l'écran.